Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continuer la Nissan Skyline GTR de Brian dans le film Too Fast, Too Furious de chez Altaïr avec les numéros 18, 19 et 20. Comme d'habitude, on pense à s'abonner à la chaîne pour me suivre dans ce montage. Si cette collection vous intéresse, dans la description, vous avez le lien de chez Altaïr pour vous y abonner, le lien du groupe Facebook de construction, venez nous rejoindre. Et on est parti pour ces trois numéros. Et avant de commencer cette vidéo, on a reçu en cadeau la plaque. Alors, notre numéro 18, l'écran multifonction, le plan d'évasion, Wataru Kato audacieux et révancieux, une série de courses monotype révolutionnaire, et la partie centrale du châssis partir. Le pas à pas, le résultat, le 19. Et c'est de Nürburgring de partie 1. Les voitures dans Too Fast, Too Furious. Le pouvoir de l'air. Le développement d'un moteur de course. Magnifique ce moteur. Partie centrale du châssis, partie 2. Enfin, notre résultat final. Le 20, la partie 2 des essais. Voiture contre bateau. Tous les secrets des jantes en alliage. Création de la Skyline GTS-R. Passage de roue avant gauche. Et enfin, notre résultat à la fin de ces trois numéros-là. Alors, notre numéro 18, on a la section centrale de châssis qui est en métal. En B, c'est le tunnel central de châssis en plastique, des vis EM et des vis AM. On commence par venir mettre notre pièce B sur la A. Donc il vient juste ici au milieu. On va y mettre des vis AM, donc deux ici et après deux ici. Et voilà, on retourne le plancher. On va venir juste ici. On va mettre la poutre avant droite qui va venir s'installer juste ici. Comme ceci. On la tient avec deux vis EM. Et voilà pour ce numéro 18. Le 19, en A, on a le support arrière du boîtier de direction. En B, le support avant du boîtier de direction. Et en C, la poutre avant gauche, des vis EM. On revient en dessous de notre plancher, de ce côté-là cette fois-ci. On vient mettre notre poutre avant gauche, comme on avait mis l'autre. On la tient avec deux vis EM. Et c'est tout ce qu'il y avait à faire dans ce numéro 19. Notre numéro 20, en A, on a le passage de roue avant gauche. En B, le réservoir de fluide à Tessa. Et en C, le bouchon du réservoir. Des vis EM.
on vient mettre déjà notre passage de roue. Donc avant gauche, ça va venir ici. On va le tenir avec deux vis EM déjà. Bon, tout va nous en falloir 4, mais on va déjà en mettre 2 ici. Après, on en mettra une ici et une ici. Et enfin, on va venir mettre le bouchon sur le réservoir, juste ici. Et voilà, pour ce numéro 20. Et voilà pour ces 3 numéros, hâte de finir le châssis. Franchement, vu que ça va vraiment être énorme cette voiture. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.